Oh, bon, ça. Quel arrêt. Quel arrêt. Aujourd'hui, là, la semaine, elle va aller jusqu'à vendredi. Et rendez-vous ici à 16h30. Si on peut commencer à 16h45, on peut... Bon, déjà c'est un stage où on va être un peu plus court que d'habitude. D'habitude on faisait du lundi au samedi. Là on va faire du lundi au vendredi parce que samedi on voyage pour Tunis pour préparer notre match en Tunisie. Et début de stage c'est toujours un peu la même chose. On essaye de voir un peu les joueurs qui ont joué soit la veille, soit il y a 2 jours. Donc il faut faire attention un peu à la reprise. Comme par exemple aujourd'hui on avait 2 joueurs qui ont joué avec Nouakchott Kings hier, donc eux ça a été un peu plus court pour eux l'entraînement. Ils ont dû faire 20 minutes, 20, 30 minutes d'entraînement et puis les autres ont continué. Donc c'est reprendre contact avec le ballon, courir, transpirer pour habituer l'organisme à travailler et demain un peu plus dans l'intensité. On se prépare, l'objectif c'est ce premier match le 30 novembre. Donc il reste encore du temps, on fera un stage de préparation avant la Coupe arabe. Donc les joueurs ont bien travaillé, chaque stage qu'on a pu faire presque tous les mois, les joueurs ont bien travaillé, ont mis de l'intensité, ont mis de la qualité aussi. Donc le but c'est pas d'être prêt cette semaine, c'est d'être prêt pour le 30 novembre, pour le premier match, donc il y a encore du temps. Il y aura sûrement encore des changements aussi au niveau du groupe, donc voilà, on essaye de travailler avec le groupe chaque mois pour aussi les faire progresser, que ce soit pour eux individuellement et pour leur club aussi.